Eh bien, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je rigole. Jiraya, il y a quelque chose de changé en toi depuis le dernier record. Il y a quelque chose que je n'ai pas. Tu as quelque chose en plus que je n'ai pas. Sans doute une petite part de swag. Je ne sais pas exactement. Une petite part de swag, c'est vrai. En tout cas, tu t'es training. Moi, ça me fait peur. Les gars, le duo Gigi Bébé. Il va disparaître, les mecs. Il va disparaître. Adieu. Voilà. Je sens qu'il va partir. Oh, que c'est nul. Eh, ça serait trop puissant que tu puisses me planter. Est-ce que c'est ridicule? Le mec, il fait du surplace. Salut, mon meilleur pote, ça va? C'est tellement nul. Mec, il regarde le sol tout le temps. Sa vie, mec, sa vie est dans le sol. Donc, on commence cette vidéo avec beaucoup de nouveautés. C'est Gigi qui va nous faire un petit tour du propriétaire. Je vais faire un tour du propriétaire. Moi, je vais faire le noob. Non, je vais pas faire le noob. Je vais faire le mec que je suis. Tu vas faire le mec qui, à la base, a été trahi parce qu'il revient. Tout a changé, quoi. Voilà, j'en reviens. J'ai vu qu'il a un nouveau duo. Le Gigi et Pierre. Mais bon. Non. Et Pierre, alors je l'encule bien. Et Pierre, en tout cas, s'il m'entend, sache que c'est un gros PD. Mais voilà. T'as énormément. On va dire que t'as franchement très très bien t'as fait le sujet en stream et tout parce que on en avait marre de vous produire de la qualité quoi qu'il arrive, mais pas du 5 étoiles. Il y avait du 4 étoiles, du 4 étoiles natif qu'on vous proposait. Et là je me suis dit bon, il faut la 5ème étoile. Gigi est allé la chercher. Je suis allé la chercher jusqu'au bout, les amis. Voilà, bon, donc en gros, Gigi, si vous voulez, on vous proposait de l'humour, on vous posait du beau jeu depuis le début. Là, voilà, là, on vous propose de l'humour et encore un meilleur jeu, voilà, tout simplement. Un meilleur jeu. Donc, on va faire un petit tour du proprio. Je vais te demander à chaque fois ça. Vas-y. Et puis, tu nous dis, tu te la pètes et puis tu nous racontes. Ouais, alors, on va pas forcément s'étaler dans le moindre détail puisqu'il faudrait une vidéo de 40 minutes. Ouais. Mais ceux qui connaissent, vous nous verrez faire de toute façon en craftant parce que je vais apprendre en même temps que vous sur le fil. Donc, qu'est-ce que c'est que ce gros coffre en diamant? Alors ça, c'est un coffre qui m'a été donné par Pierre et Ika parce qu'ils m'ont fait un sale cul hier. Faut savoir, ils m'ont filé un jetpack. Moi je connais pas Minecraft, donc j'ai pris le jetpack et il était piégé, donc je suis mort. Voilà. C'est une bonne blague. Ça, c'est une blague de geek, y a que qu'on rigolait. Vraiment, ouais, c'est vraiment la blague, tu sais, c'est une blague de développeur, quoi. Voilà, c'est la blague Minecraft où il y a que les mecs qui jouent à Minecraft qui rigolent, quoi. Voilà, toi, donc toi t'es au fond de sa vie, mais eux ils rigolent, hein. Ok. Mais bon, c'est pas grave, je pensais que j'avais des amis. Donc ils m'ont filé ça. C'est une récompense de guerre, hein. En vrai, je suis content parce qu'ils en ont filé deux et c'est des coffres qui sont vraiment sympa, et vu qu'on n'a pas beaucoup de diamants, on va pas se le cacher, c'est la galère. Hein, donc ça nous fera beaucoup plus d'espace. Après, j'avais commencé à créer aussi des coffres en diamants, coffre en diamant, c'est égal coffre plus grand. Ouais, beaucoup plus grand. Je me permets de résumer après toi, parce que Jiraya est rempli la part d'ingénierie, c'est-à-dire que personne ne le comprend à part lui-même. Et Pierre, B-Boy traduit. Donc du coup, on a une belle traduction de ta part. Alors, tu veux nous présenter quoi là? À côté du lit peut-être? Bah du coup, j'ai créé des petits coffres, et dans ce coffre-là, en fait... Alors, coffre d'une couleur différente, il est en argent? Oui, parce qu'il est en fer. En fait, donc, c'est un truc très simple, tu prends un coffre... Encore un peu plus grand, c'est ça? Voilà, tu remplis... Par contre, on peut pas les doubler, ces coffres-là, ils sont en solo. Tu peux pas en mettre deux et ça fait un D'accord, gros coffre. D'accord, ok, ça fait un gros coffre en fer, c'est pas possible. Mais par contre, t'as deux lignes de plus. Exactement, donc il est très sympathique, il est pas très compliqué à faire. Coffre en fer, rien de fou, donc vous l'aurez compris, plus la matière est rare pour faire un coffre, plus le coffre contient de place, voilà. Et ça c'est très bien. Allez, écoute, moi je suis là avant tout pour les gens comme nous, quoi, hein. Oublie pas que tu viens de là où on est, hein. N'oublie pas d'où tu viens, par contre. Voilà, n'oublie pas d'où tu viens, mais pas comme Aïe-Pierre, là, te crois pas. Non, moi j'entends pas les rageux, monsieur, j'ai pas votre temps, j'ai tout automatisé. Alors c'est quoi qui est à côté de ce petit coffre, là? Parce que ça... Alors en fait, si tu veux, je vais résumer quand même pour les gens qui vont se poser la question. Je suis parti, enfin j'ai fait un stream Fitzpatrick hier juste pour apprendre, voilà, je voulais essayer d'en apprendre un peu plus, comme ça quand on arrive avec B-Boy, ben, on a quand même des choses aussi à vous proposer. Jiraya.tv, hein. Voilà, Jiraya.tv, n'hésitez pas à passer tous les soirs. Du coup, ça à côté, c'est juste une table de craft qui est entre guillemets améliorée. En gros, tu peux mettre des items dedans et si jamais t'appuies à côté, voilà, il reste dedans. Donc en gros, c'est une table de craft qui est collée au coffre juste à côté. Voilà, j'ai collé au coffre pour que justement tu puisses récupérer des items du coffre, par exemple, si tu veux. D'accord, c'est une table de craft, mais pas relou, quoi, tout simplement. Voilà, un peu améliorée, on va dire. Bien joué, t'as su trouver les termes. J'ai su trouver les... Alors après, je suis passé chez Ika, j'ai récupéré quelques tables Ouais, bien sympa, ouais. Donc 4 tables. Non, celle-là c'était Schla de Bluche, les filles de Bluche, c'est juste celle-là, hein. Tu t'es gouré, gros, hein. En gros, c'est tout compte, c'est que j'ai lu en fait les livres. J'ai lu les livres. Je me suis instruit. Ma salle de bibliothèque, donc. À la base, ça a fonctionné. Le plan n'a pas échoué. Ouais. Okay. Donc j'ai fait une Tool Station. J'ai fait une part. Bah, on va faire en ordre. Peut-être, je pense, la table pochoir à montrer. La table pochoir, la stencil. Bah carrément, parce que ça va être celle qui est plus intéressante. En gros, c'est une table qui sert à faire des pochoirs. Voilà, je mets un pochoir. Donc voilà, tu b-boy. Je choisis par exemple. On va choisir quoi? Une tête. Je prends une tête, ouais. Voilà, on va prendre une tête. Donc, grâce à ça, j'ai imprimé une tête sur un pochoir vierge. D'accord. Exactement. Ensuite, si tu veux. Alors, non, c'est pas ici. Ça, c'est le dernier pan. C'est pour voir si tu suivais.
Non, en gros, ça, si vous voulez, c'est la tool forge. Ça vous servira à construire vos items. À forger des items. En gros, vous mettez la loupe. Donc, c'est du verre et un bâton. Et puis, vous avez une loupe, tout simplement. Voilà. C'est bien expliqué. En fait, dans ces petites tables, tu vois, il y a une... C'est comme s'il y avait un tutoriel, on était aidé, tu sais, c'est une table. Oui, parce que c'est écrit à droite et puis c'est logique, voilà, en fait, voilà, tu vois, ce que tu vas faire. Donc en gros, ce que tu as là, est-ce que tu as de la cobble sur... Alors, il y a pareil à droite, hein, je vous montre si jamais, c'est une station d'outils aussi, me semble-t-il. Oui, mais la seule différence, c'est que c'est la marque Schlidivla. Voilà, c'est une marque, c'est une moins bonne marque, si tu veux. Voilà, c'est une moins bonne marque, mais il en faut pour tous les budgets, hein, sachez-le. Exactement, il n'y a pas de rajout. Donc en gros, si vous voulez, c'est la même que celle-là, sauf que celle-là, c'est la Tool Forge, celle-là, c'est la Tool Station. Bon, voilà, il y a un petit différent. En gros, est-ce que tu as de la cobble sur toi? Bien sûr. Voilà, par exemple, tu peux mettre donc la cobble et tu peux mettre le pochoir à côté. Alors en bas à gauche, tu mets... Attends, hop. Voilà, tu mets là et normalement ça te sort un truc, hein. Et ça ne sort rien. Par contre, c'est de la pierre cassée. C'est de la pierre... Attends, c'est bizarre. Parce que moi, par exemple, si je le fais... Il faut deux pochoirs. Normalement, non. Ah, le plan a échoué, les gars, pour l'instant. Le plan a échoué. On va couper la vidéo, on revient dans pas longtemps. Non, mais tu vois, regarde, par exemple... D'accord, pardon. Toi, t'as mis de la roche normale. Okay. Ah, j'ai mis de la stone. Ouais, bah, tu sais quoi, je t'ai piqué la roche. Récupère ton pochoir. Merci à toi, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Récupère le pochoir, comme ça, bah, je montre en parcimonie. Bah tu peux regarder, hein, si tu veux. Bon, vite fait, je prends de la vite fait, parce que je trouve ça bizarre. Le pochoir qu'on a réussi à imprimer, sorti d'un truc vierge, on met de la roche, et donc, bah, le but d'un pochoir, c'est comme quand vous êtes gamin et que vous dessinez dedans. C'est de refaire la forme sur... Sauf que là tu as fait la forme, mais là tu vas me dire, mais dis donc, j'ai une forme, mais je m'en bats les couilles, c'est vraiment mais de la merde. Mais dis donc, Jamy, j'ai une forme, mais c'est nul, enfin, je m'en bats les couilles. Bah, la vérité, c'est qu'en vrai, tu t'es fait un truc de. Comment ça s'appelle? Tu t'es fait. Soit c'est pour faire la grande épée, tu t'es fait la lame, mais tu t'es fait une lame en roche, et toi tu t'en fous, la roche c'est de la merde en fait. Oui. Tu t'aimerais une lame en sanguinite ou je ne sais pas quoi pour faire une méga épée. Donc là, le but, c'est que tu fasses un pochoir, enfin un moule plutôt. Donc pour faire un moule, tu vas... Les moules, rappelons-le, c'est... C'est quelque chose qui permet de mouler. Mais tu es où? Tout simplement. Ah voilà, je suis là. Je suis dehors. Voilà. Donc en gros ici, pour présenter rapidement, ça c'est... Alors, quoi? Alors tout ça c'est une fonderie, c'est ça? On va l'appeler comme voilà, ça. Voilà, une fonderie. C'est une fonderie, c'est donc la forge, ce qu'on vous demandait. En fait, je vais résumer très rapidement, dis-moi si j'ai tort. Hein, parce que voilà, après si tu voudras rentrer dans les petits détails techniques... Tiens, ouais, la technicité ça me connaît. Tel que le prix hors taxe ou autre, n'hésite pas. Donc ici vous mettez vos ingrédients, par exemple des ressources qu'on n'a pas fait fondre dans un four. Donc, vous mettez par exemple de la pierre, ce que j'ai mis, c'est un exemple. Hein. Et vous allez récupérer ici vos lingots dans le coffre. Pourquoi? Parce que grâce au pochoir précédemment fait en forme de lingot, vous voyez, il y a une forme de lingot en diagonale, et ben ça nous sort des lingots de ressources. Ouais, exactement. Ça. Et donc, grâce à un petit redstone clock, c'est automatisé. Donc, en gros, dès que ça fait fort. Bon, par contre, t'as mis de la cobblestone, donc on va pas mettre de la cobblestone. Non, c'était un exemple. Hein, c'était ouais, juste... bah attends, bah justement, regarde, tu as ton morceau de lame que tu as fait ou pas? Mon morceau de lame? Non, parce forcément. Que je n'ai pas fait de morceau de lame. Bah, j'avais fait un cube. Mais non, ah non, c'est moi qui l'avais fait le... Voilà. Bah, montre, hein, moi je vois ce que tu mets dedans. Hein, bah, non, mais en fait, vas-y, mets le cube que tu as fait, bah mets-le ici. Regarde là, à la casting table, là où je suis. Je ne le vois plus. Alors attends. Je crois que je l'ai rangé, attends, bouge pas. Je bouge pas. Rangé. On est super bien. Le mec est lourd, quoi, ouais. Il allait le ranger, quoi. Attends. Donc là. Ok, je mets le cube ici. Non, tu le mets pas là, tu le mets pas là. Très bien, je ne mettais surtout pas de cube ici. Mets-le ici sur la casting table. Ok. Donc sur le truc du pochoir. Ouais. Le cube, hein. Ça. Voilà, ça, ouais. Ok. Voilà, en fait, ce qui est bizarre, c'est que... Voilà. En gros, d'accord, ok. En fait, si tu veux, pour expliquer aux gens, si tu veux, le pochoir qu'on a fait, il est en bois, tu vois. Enfin, il est dégueulasse. On peut pas faire fondre du métal dessus, il va prendre feu. Enfin, ça reste assez logique. Bien sûr. Donc, le but, c'était que tu fasses ce pochoir, qu'il fasse d'abord, bah, peu importe ce que c'était. Ça aurait pu être, je sais pas, un bâton, le morceau de lame que moi je voulais faire pour la grande épée, etc. Tu fais ça en pierre, tu t'en bats les couilles. Et ensuite, la pierre, tu la mets ici. Et tu prends de l'or en fait que tu fais chauffer. Donc là on a un peu d'or. Donc là montre aux gens ici si tu fais clic droit sur ce côté. Tu peux voir qu'il y a des or molten gold. Exact, ouais. Voilà. Et donc si je fais un petit coup ici, ça va fendre directement sur ça. Donc on attend un petit peu. Voilà. Et maintenant, hop. D'accord. Si je te donne un pochoir en or. Tiens, ouais. Ça c'est ton pochoir qui est en or. Et j'ai récupéré moule de plaque large donc. Voilà, donc j'ai ma tête en or. Et en plus j'ai récupéré le pochoir en pierre.
Exactement. Et donc on va utiliser l'or. Donc là je remets le truc, donc ça va remettre. Chose en fait, cette plaque ne sert à rien. C'est juste limite un pendentif quoi. On va dire que c'est mon porte-bonheur. Voilà, c'est mon porte-bonheur. Ok. Bon, en fait celle-là, honnêtement je saurais pas dire à quoi sert vraiment cette construction. Non, ça, on s'en bat les couilles. C'est la beauté. Mais du par contre quand tu devras mouler, je sais pas, t'as envie de te faire un. Ma bite. Je sais pas, par exemple la cleaver, tu vois. Ouais. Bah, t'as besoin de deux bâtons, t'as besoin de ce espèce de moule là et t'as besoin d'une lame. Et bah, si tu veux te le faire dans un matériau qui est hyper fort, parce qu'on a vu qu'il y avait plein de matériaux qui existaient dans Fitzpatrick, eh ben tu le feras couler via la fonderie justement. Ok. Laisse en lingot, comme ça on fera que des lingots. Est-ce qu'il y avait autre chose à montrer? Alors oui, il y a des petits trucs juste à côté que je vais. Vas-y. Donc là c'est la phase explication de ce qui s'est passé en off. Hein, ça me permet. Ouais, bien voir. Sûr. Ouais. Je découvrirai la fonderie un petit peu à part quand Gigi ira par exemple miner ou autre. Ouais, histoire ouais, de pas être. Ah oui, trop parce loup, que en fait là tu vois je l'ai fait en lingot, mais on peut le faire. Ça c'est un truc que j'ai, c'est un bassin aussi. Ça c'est pour des blocs. En gros ça prend automatiquement dès qu'il est plein, dès qu'il est à 9000, bah ça fera. Non le pète pas par contre parce qu'il y a, il, ouais, il est ouais. pas tout à fait rempli. Mais en gros là c'est, bah, je crois que c'est, je sais plus ce que c'était, du fluide Yellowrium mes couilles là. Mais en gros dès que c'est plein, dès que c'est à 9000, bah ça te sort un bloc directement comme un bloc d'or machin, et donc tu peux récupérer tes 9 lingots après. Donc en gros c'est plus rapide de passer par là que par les lingots. Mais les lingots c'est stylé. Moi j'aimais bien le petit moule. Donc, c'est très bien ça pour farmer tout seul. Donc ça c'était pour la forge, donc c'est fait hein. Exactement. Comme quoi vous avez été très 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 utile. Et pour ceux qui ne connaissaient rien, bah voilà, on vous a appris un petit peu comment faire. Il faut des briques desséchées, c'est un peu plus compliqué à avoir. Alors ouais, ça j'expliquerai quand. Bah si tu veux, voilà. Big Boy, on fera une extension de la fonderie, un de ces quatre. Voilà, et quand on fera ça. Pourquoi? Parce qu'en fait plus il y a des tâches de briques desséchées, plus et la plus fonderie on peut mettre de matériaux. Donc, exactement. C'est cool, mais on vous l'expliquera en temps venu. Voilà, tu voulais expliquer. Et ensuite, j'ai créé deux autres petits trucs. Donc, dans Fitzpatrick, il faut créer de l'énergie. Donc, j'ai créé un survivaliste générateur, là, qui est très simple à faire. Donc en gros, c'est un truc, un générateur de survie, exactement, qui te servira à alimenter toutes sortes de machines, etc. Donc, moi, j'en ai pas eu encore l'utilité parce que j'ai pas streamé jusqu'à minuit. Hein, mais ça sort de l'électricité, c'est ça. Voilà, en fait, il suffit de mettre un petit charbon et ça dure 15 minutes. Donc, là, regardez, si je mets un petit charbon dedans. On a 15 minutes d'électricité. Voilà, exactement. Putain, c'est seulement attends, c'était. Non, mais, mais là il est full par contre. Il est full, il est blindé donc ça sert à rien de mettre du charbon en fait. Parce que là il est capacité max, on voit il a 10 000 sur 10 000. Mais en gros, si je tire un câble et que je veux alimenter une centrale nucléaire, bon. On va tirer des câbles. Exactement. Pour, passer. Parce que nous, moi j'aimerais bien passer un éclairage LED parce que les torches sont assez relou. Donc on va essayer. Et ensuite, on a le pulvériseur. Qui ça va vraiment nous servir, mon petit Bébois, puisque par exemple, est-ce que tu as du minerai sur toi? Je sais pas, est-ce que tu as un bloc d'or, un bloc de iron qui est pas chauffé? Non, mais non. Donne-moi, vas-y. Ah, ça va en faire de la poudre, non? J'en ai pas justement, c'est pour ça que je te demandais. Ça va en faire de la poudre? Et en gros, ça va en faire de la poudre, mais attends, non, on en a plus. Mais attends, mais on va juste descendre là. Ah si, bloc d'or, t'en veux un? Attends, lingot, ça marche pas? Non, pas les lingots, ça sert à rien de le faire sur les lingots en fait. C'est pour montrer le principe en fait de base. Attends, on va juste aller chercher un minerai random. Tiens, regarde, le tin auré. Bien joué à toi, bien joué à toi. Voilà, le tin auré. J'ai trouvé les bons mots en fait. Donc en gros, si tu veux, c'est un générateur. Donc la tin auré, vous êtes d'accord. Là, si tu me suis bien, si je le fais chauffer, ça va me donner un lingot de tin. On est d'accord. Ouais. Bah, grâce à cette machine en fait, grâce à la magie de la science, tu vas le mettre là-dedans. Donc je vais te laisser terminer de toute façon. Ok. Hop. Voilà, boum, tu vas récupérer ces deux poudres. D'accord, du thym pulvérisé donc. Voilà, et ces deux poudres là, si tu les mets alors dans la fonderie après, ça me ressort un lingot. Au lieu de te ressortir un lingot, ça en ressortira deux en fait. Donc en gros, ça double ton minerai. D'accord, ça c'est très intéressant. Et donc voilà, tu transformes en poudre et t'en ressors. J'en ressors à la toque, exactement. D'accord. Donc après, si tu veux, quand on sera un peu plus avancé, quand on aura passé plus de temps sur le jeu, si tu veux, on pourra automatiser pour faire beaucoup plus de robinets. Parce que c'est vrai qu'il y en a qu'un, tu vois. On pourra faire plus de trucs que ça passe. Ah, je vois que ça me frappe. Non, mais tu m'as saoulé, tu me racontais ta vie là. J'ai craqué, je suis endormi. Donc vas-y, dis-nous. Un robinet. Donc en gros, une fois qu'on sera avancé, soit on fait une plus grosse extension. Ouais, genre un robinet chacun, une connerie. Voilà, exactement, histoire que ça coule avec des coffres un petit peu. Alors, laisse-moi faire couler un petit peu. Tout ça, donc là faut attendre que ça chauffe. Voilà, alors là tu vois, t'as le truc, donc, le principe, hein, c'est que ça chauffe. Et une fois, alors là c'est automatisé. Les gars, on est désolé, mais il est toujours important d'expliquer pour ceux qui ne sont pas fond Minecraft. Ouais, bien sûr, mais je pense qu'il y a des gens comme nous, hein, regardez, sinon on connaissait pas. Ça fait des trucs très intéressants, mais vous inquiétez pas, hein, notre aspect totalement stupide et fun reste toujours. Mais c'est toujours important d'apprendre en même temps. Jouer, rire, grandir, comme disait ma mère. Exactement, parce que moi j'adore Hasbro. Alors, non mec, remets le bout. Calme-toi, voilà. Donc là ça coule tout seul. Ok, ça coule, et ça va nous sortir forcément. Le petit lingot, on va le voir, dès qu'il sera prêt, il va apparaître en bas. Voilà. Hop, hop. Bon, on attend parce qu'il est long, ce coup. Et voilà.
Ah oui, parce qu'il y en a déjà des Tiny Bots, ok. Ouais. Donc en gros, il s'est remis sur la stack. Tu vois. Alors, et attends, donc, voilà, bouge pas, je ne le vois pas. C'est le Teen Ingot, mais en fait il y en avait déjà, donc forcément... Ingot, ok. Ouais. Donc, voilà, ça c'est fait, c'est plutôt cool. Maintenant, quel est notre objectif, Jamy? C'est bien maintenant, tout ça, Jamy, mais... J'ai envie de te dire, mon cher Jamy, moi j'ai posé un peu de questions, voilà, pour qu'on ait des objectifs avec B-Boy dans la joie et la bonne humeur. Donc le but, ce sera, je pense, de trouver une machine qui va nous permettre, mon cher B-Boy, de miner automatiquement pour plus qu'on ait à se faire chier et qu'on puisse se consacrer sur une confection de biceps par exemple, ce genre de choses. Et plus jamais avoir peur de ne plus avoir de ressources, tu vois. D'accord. Donc, bon. Il va nous falloir trouver. Alors, notre but ultime, ça va être de faire le digital miner. Alors, on n'en est pas encore là. Je vais en profiter pour faire une épée comme toi. En fait, c'était grâce à l'enchanted Agathe. Les enchantements. Vous mettez un bâton et deux enchanted et ça vous fait une épée. Mais par contre, ça aura un attribut totalement aléatoire. Donc, tant que je ne l'ai pas crafté, je ne sais pas ce que je gagne. Par contre, c'est pas ouf. Plus 6 d'attaque. T'as combien, toi, d'attaque? J'ai eu de la chance parce que j'ai eu Sharpness 3. Moi. Enfin, entre guillemets. Donc, moi, j'ai plus 9,75 d'attaque. Et t'as mélangé quelle couleur? Histoire que je... J'ai mis n'importe quoi. C'est random, hein, ça te sortira. Ouais, sachant que c'est toujours random. La poudre n'a pas d'importance, la couleur, au final. Non, tu peux même, si par exemple il te restait deux bleus, une rouge et que tu voulais faire une pioche, bah tu peux les utiliser ensemble, ça fonctionne. Donc tu vois là par exemple les gars, j'ai eu châtiment, c'est de la merde, hein, on peut le dire je pense. Châtiment, on peut dire que c'est de la merde. Mais je ne baisserai pas les bras, on va en faire une, on va en faire une dernière, on va faire ceci, donc c'est totalement aléatoire. Hein. Butin 2, tranchant 3, recul 2. Merde! Bon, très violent, très 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 violent. La durabilité par contre, on est sur un bon truc ou pas? 500, ah oui, 500, d'accord. 500, donc c'est ultra correct. Ouais. On est très bien. Ouais. Butin est tranchant quand même. Hein. Tranchant 3. Alors attends, du coup, bah, pendant que tu regardes un petit peu ça, alors, tu amuses la galerie, je vais regarder donc là, ce qu'on m'a conseillé de faire. Il faut qu'on crée une machine illimitée, c'est bien ça, Jamy. Alors, le but, c'est voilà, de faire ce qu'on appelle, enfin ce qu'on m'a conseillé, c'est le carry. Donc en gros, c'est un truc qui va te permettre de build. C'est le célèbre truc qu'on vous parle depuis le début, ce qui va nous permettre de puiser une ressource à l'infini, c'est ça? Alors, pas à l'infini. Enfin, notre objectif, c'est d'avoir cette machine, quand même. Notre objectif, ça va être ça. Alors, pour faire cette machine, je t'invite à montrer aussi aux gens qui vont voir ta vidéo. Tu tapes carry, Q-U-A-2-R-Y. Carry, double rotor, voilà. Voilà, double rotor, on connaît bien, Alors, attends, bouge pas. Donc, carry. Voilà, une petite carry. 2RY? Ouais, 2RY, c'est le premier, c'est un petit truc blanc, il y a marqué BC Buder, carry 192, normalement. Non. Comment tu l'écris? Q-U-A-R-R-Y. Ah oui, Q-U-A-R... R-R-Y. Hein? Q-U-A-R-R-Y. Attends, je ne sais plus écrire. Il est manipulé par son clavier. Q-U-A-R-R-Y, d'accord. Ouais. Quarry, d'accord. Non, parce que ouais, Quarry, Quarry, moi j'ai dit Quarry. Non, mais bon, c'était. Ouais. Voilà. Non, tu as raison, c'est ton petit côté américain. Ok, donc Quarry, lequel exactement? Tu veux que je vois? C'est le premier. Under Quarry, Upgrade, Base. C'est le Quarry 192, c'est tout. Il n'y a pas de nom, il s'appelle juste Quarry. Il est blanc, d'accord, c'est un donc truc. Il faut que je le trouve, c'est. C'est le premier tout en haut à gauche. Non, j'en ai plein. Bah oui, j'en ai plein, mais c'est le premier tout en haut à gauche. Non. Le premier. Non, écoute. Moi, il s'appelle Under Quarry, Upgrade, Base. Mec, si tu tapes Quarry espace 192, tu vas tomber que sur celui-là. Ah, donc, voilà, 192, bah oui, mais si tu fais pas d'effort. Alors, Quarry espace 192, je n'ai rien. C'est peut-être parce que t'as ton jeu en français, non? Je sais pas. Bon, j'ai bien c'est compris. C'est bizarre, enfin bref. En gros, il faut qu'on fasse ça, et pour faire ça, il faut qu'on fasse des espèces d'engrenages, des Iron Gear, là. Bon, ça, c'est très facile à faire. Des Gold Gear, c'est très facile à faire. Là où ça va nous faire chier à nous, si tu veux, il va falloir du diamant, et il va nous falloir 8 de diamant plus une pioche de diamant pour faire le premier quarry. Donc ce que je te propose, c'est d'accord. Dans cet épisode... C'est carrière 192 chez moi. C'est BC Builder, voilà. C'est ça? Donc c'est bien, ouais, exactement. Okay, ouais, okay, ouais, okay, ouais. Okay, d'accord. Ah ouais, bah désolé, mais c'est vrai que t'as le jeu en français, du coup. C'est pas grave, un peu déçu de ce mot. Ah, c'est bon. Mon côté Ashfordien qui parle, je suis désolé. Donc en gros, si tu veux, c'est très très facile à faire, sauf qu'il va nous falloir du diamant. Alors, moi, mais grâce à ça, j'ai déjà du diamant. Ouais, mais t'en as beaucoup ou pas? Parce qu'il en faut genre beaucoup. J'en ai pas, on va aller miner. Donc on va aller miner, ok. On va pas faire toute la phase de minage dans cette vidéo parce que bah on a fait déjà un bon morceau de vidéo. On va aller miner un peu et on va s'arrêter et on. Bah, je pense que là on peut aller miner, discuter et puis les gens. Voilà, là on va miner, discuter calmement. Tu viens, tu me suis en. J'arrive frérot. Vas-y. Pareil, j'ai continué de faire un peu de. Ah bah ça va nous permettre de. Ça va nous permettre de leur montrer aussi toutes les grottes qu'on avait découvertes, tous les canyons et tout. C'est vrai parce qu'on a miné en scred. Donc là on est à la recherche d'énormément de ressources.
En fait, le but, ça va être de construire cette machine. Alors, le quarry qui va nous permettre de construire ci, qui va nous permettre de construire ci. Et ainsi de suite. En fait, voilà, le but, c'est de monter progressivement. Ouais, voilà, il nous faut le premier maillon pour aller au bout de la chaîne. C'est logique. Ouais. Et une fois cette machine construite, on va pouvoir entamer de très, très grosses constructions. C'est pour ça que là, c'est relou. Mais on doit le faire. On doit le faire et c'est bien important. Bien sûr, c'est normal. Tout le monde a commencé comme là, ça. Là, on a fouillé énormément déjà. Donc, vas-y, suis-moi. On va passer par un endroit. Là, normalement, on a notre carrière en fait qui est gigantesque. Et, on peut... Pareil, si tu trouves du fer, n'hésite pas à en prendre parce que le fer, voilà, il n'y en a pas forcément des millions. Donc, voilà. Ça, c'était l'eau-coffre. Hein, je ne sais pas si tu te souviens. Je reconnais. Tu connais un peu. Non, mais c'est vrai que je suis sorti de ma cryogénisation lors de l'épisode précédent. Quoi ? What the fuck ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Voilà, je me suis fait tomber des trucs sur moi. Donc, on ramasse tout ce qu'on peut, on met ça dans un sac. Et puis, hasta luego. On est d'accord ? Exactement. Ok, bon, bah, on est parti. On est parti pour une longue période de minage. Longue période, on va vous montrer que 15 minutes. Mais en tout cas, on espère que ça vous fait plaisir un petit peu tout cet apprentissage. Voilà, il y a la partie fun de nos vidéos. Il y a la partie apprendre, jouer, rire et grandir. Apprends en rigolant. Voilà, apprends en rigolant. Et puis, le plus important, c'est que vous faites pas chier, tout simplement. Ouais, voilà, tout simplement. Bah, écoute, c'est impeccable. Donc, c'est important de ramasser les roches ou pas ? Tu sais, les cristaux dégueulasses. Franchement, il n'y a pas tout qui est important, j'imagine, mais dans le doute, moi, je prends un peu de tout. Voilà. Après, quand je vois des ressources en abondance, voilà, je me dis que forcément, je peux en trouver facilement. Je vais plutôt essayer de me focaliser sur ce qu'on recherche. Après, là, franchement, on est quelle couche ? On est 31. Non, pas couche 31, si, on est couche 31, là, je crois. Ouais, c'est une catastrophe. Donc là, il faut vraiment qu'on descende chercher du diamant, en fait. Là, c'est diamant priorité, quoi. Ouais, mec, franchement, le diamant sert pour énormément de choses. Alors, je sais pas, d'ailleurs, je vais en profiter de la vidéo, mais si vous avez des techniques, je sais pas, est-ce qu'on peut automatiser le diamant ou pas, je n'en sais rien sur voilà. ça. Voilà, cet homme n'est pas surhumain, cet homme n'est pas une machine, il ne peut pas tout mémoriser. Donc si vous avez, on est des machines, mais bon bref, c'est cet homme histoire. A toujours des questions. Voilà, cet homme a toujours des questions, c'est le principal. Donc si vous avez toujours des réponses, bah ça tombe bien, c'est vous qu'on cherchait. C'est vous qu'on cherchait, donc voilà. Si vous avez une idée pour trouver du diamant, ou alors une manière de le... Surtout de le miner de type opti ou j'en sais rien, est-ce que avec un bloc de diamant, je peux, faire des miracles, ce genre de choses, parce que je sais pas, en passant par un digital miner plus tard ou pas, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Ah, tu commences déjà à employer des termes que tu. Yes, que moi-même je ne maîtrise pas, hein, mais c'est pour me donner un petit côté américain encore. Ok, ok, non, mais écoute, c'est louable. Ok. C'est louable. Donc, on descend combien tu veux, toi ? Ah oui. Bah, là où il y a du diamant. Diamant quoi, moins 11, hein, on va pas tergiverser, comme on dit. On ramasse un maximum de ressources. Je suis déjà plein. C'est terrible. On peut pas avoir de sac à dos alors sur soi ? Non, c'est pas possible. Moi, j'en ai deux. Si, j'en ai deux. Non, mais de sac à dos, genre dans son dos. Qui nous agrandit notre inventaire, tu vois. Ça, je sais pas. Franchement, tu poses une bonne question. Est-ce que je peux le mettre quelque part ? Voilà, dites-nous aussi, hein, parce que c'est toujours un petit plaisir. Ouais, il doit y avoir quelque chose, hein, mec, 100%. Parce que sinon, mec, avec tout ce qu'il y a à récolter, s'il n'y a rien, c'est un peu tendu du slibard, quoi. Ok. Bon, je creuse direction 11, quoi. Hein, on y va. Ouais. Là, j'organise vite fait. Ah, j'ai trouvé. Oh, j'ai trouvé une extension. Oh, mec, j'ai trouvé un truc grave sympa, là. J'organise vite fait mon sac à dos aussi. Il n'y a pas que toi qui as le droit à avoir un sac à dos. Nous aussi, on a le droit. Excuse-moi. Je vois pas pourquoi. J'ai trouvé une faille. Ouais, bon, j'avais déjà cool. Une faille ou... Mais je crois que c'est peut-être toi qui l'as trouvé, quoi. Enfin, parce qu'il y a déjà... Comme si quelqu'un avait... C'est moi. Ah, c'est la faille de derrière, oui. Ouais, regarde ta carte, hein, ce qui n'est pas exploré, c'est pas visible. Ah bah oui, t'as bien raison. Bien vu, merci. Écoute, merci à toi, en tout cas. T'as toujours bien raison, toi. Non, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. À très bien. Putain, j'ai failli mourir là, gros. Et elle est rare, elle est bien ma matière ou pas là ? Tu sais, qui fait sauter ? Qui fait des petits remous ? Tu vois pas laquelle ? Celle que j'ai dans un seau là. Tu vois toujours pas ? Non, ça me parle de seau, ça me parle de. Tu ne fais pas d'effort. Tu ne fais pas d'effort, je suis extrêmement déçu. Ok, j'ai de l'or. C'est important l'or ? Ouais, franchement, l'or ça peut être vraiment cool. Après, c'est pas. Genre, apparemment, il y a des techniques pour miner de type infini de l'or. Oui, bah, grâce à l'appareil. Grâce à la méthode américaine, exactement. Grâce à l'appareil qu'on essaye d'avoir à tout prix, impérativement. Exactement. Et qu'on va réussir à avoir, ne vous en faites pas. C'est quoi le plus rare, donc, au final ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la ressource la plus rare ? Honnêtement, je ne saurais pas dire. Hein, qu'on passe moi, à de l'optimisation. T'en sais rien, t'es encore en phase de découverte avec toi-même. Moi, je découvre en fait. Parce que moi, c'est tous les gens m'ont donné des conseils, etc. Hier, m'ont expliqué comment faire et tout. Mais parce que moi, je ne connais pas Minecraft en fait. Enfin, on a bien vu, tous les deux, on est là. Mais c'était le but de FTP. C'est vrai qu'au début, pour rien vous cacher, on devait aller sur Celestia.
Et on s'est dit, ouais, mais Celestia, le problème, c'est qu'il n'y a pas les mods qui peuvent faire une découverte et qui font qu'on s'ennuie jamais, hein, au final. Donc, Là, c'est hyper poussé. Voilà. Quoi, donc c'est là, c'est justement tellement complexe et il y a tellement de choses qu'on voulait pas forcément passer à côté. Et donc, on trouvait ça important de... Hop, voilà, faites gaffe. J'ai peut-être trouvé... Il y a une autre grotte à gauche, n'hésite pas à y aller. Et donc c'est pour ça qu'on a trouvé ça plus capital de vous proposer du FTP, parce que on est nul certes, mais au moins on peut découvrir avec vous, et puis voilà, peut-être que vous préférez aussi voir la vie de personnes nulles mais drôles. Et oui, voilà, qui s'amusent avant tout quoi, qui sont pas là dans l'outil du tryharding, qui sont dans l'amusement, qui sont pas là à faire des blagues sur ton PC il est cadencé à 2000, on va faire un cadencé. Tu vois, la Robert Hood quoi, tu vois ce que je veux dire. Histoire par // inférieur à 3, bon voilà. Voilà, tu vois, on est, vous nous avez compris hein. On va pas tergiverser. Voilà, on va pas tergiverser. Je pense que j'utiliserai encore énormément ce mot à l'avenir. C'est mon mot, j'ai bien l'impression. Bah, c'est le mot de l'année 2015 pour moi. Hein. Tergiversation, c'est vrai que j'utilise quand même. Je tergiverse. Le mot 2015 à l'unanimité. Je tergiverse pas mal. Hein. C'est vrai que je laisse pas le temps à l'ennemi. J'ai peut-être trouvé une nouvelle grotte. Ça peut être intéressant, ça bouge pas. J'y vais de ce pas, mon ami. Même pas, mon gars. J'y vais de ce pas. Donc, le but, c'est de se... Putain, j'ai une pioche en diam, ça me fait chier de l'utiliser, quand même. Non, mais l'utilise pas, mec. Garde-la, parce qu'en plus, elle va être... On a besoin d'une pioche en diamant pour le craft du carry. Donc, voilà. Du cariste, parce qu'à la base, il est là, il est carleur, le gars. Et voilà. Du carry. Alors, attendez, bougez pas. Hop. Je prends plein de ressources, Par où je peux aller que t'as pas visité encore? On fera dans la fonderie. Justement, va sur la carte, tu vas tout au fond, gros. Ouais, je vais aller là-bas. Voilà, on va pouvoir partir par là calmement. Ça m'embête un peu, j'arrive pas à... Du diamant. Un, t'as trouvé du diamant, ça? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, c'est mon côté américain qui continue. Ok, j'ai 6 diamants, c'est super. Bon, c'est mieux que rien, on va dire. 6 diamants pas... Ouais. C'est cool. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, moi je continue direction une nouvelle grotte en face. Putain, il y a de la terre à ce niveau, c'est relou. Alors, il faut que je me fasse une pioche, mais j'ai pas de fer sur moi. Ça, c'est très embêtant par contre. Est-ce que dans un de mes 14 sacs. Ah, il y a de l'osmium aussi. J'ai 9 diamants, il nous en faut combien concrètement? Il nous en fallait 8 plus une pioche. 8 plus une pioche. Alors, bougez pas, vous savez quoi. Hein. On va faire ma méthode américaine qui m'a permis de m'en sortir dans. Ouais. Dans divers. Si, je l'ai ma pioche. Qu'est-ce que je fais? Hop, j'avais une pioche en odium, mes couilles. Ok, très très bien ça. Bon, bah on continue. Donc voilà, petite période un peu. Comme ça, on vous montre juste où on va. Ouais, tranquillement quoi. On n'a pas peur. Oh non, mais nous on n'hésite pas, hein. Nous on sait pas les prendre. Ah non, on creuse. Nous il faut creuser, les gars. Nous on sait salir les mains. Nous on sait ce que c'est creuser. Ah bah oui, nous on a connu les galères, hein, les gars. On va pas tergiverser encore une fois. J'ai à le préciser, mais bon, ça reste. On va faire le lourd, mais bon, voilà. Est-ce qu'on va vraiment tergiverser encore une fois quoi, est-ce qu'au final la tergiversation serait pas un mot ancré, bien évidemment, dans le dictionnaire? Ok, on va pouvoir continuer. Ça c'est plutôt cool. Très sympa tout ça. On découvre pas mal de trucs. En tout cas, tu nous as appris pas mal de trucs, c'est sympa. Ah bah, j'essaie. Merci à toi d'être présent au quotidien pour nous. Mais de rien. Hop, je prends pas mal de fer. Mais du fer, on en avait déjà beaucoup en haut. Par contre, les rollbacks, est-ce qu'on en parle? Non mais gros, j'ai croisé Marty McFly là dans le couloir. Il m'a dit, je sais pas ce que je fais là. Ça fait 2000 ans que je cherche une sortie. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Ok, on continue. Mais on est d'accord, c'est en peaceful, c'est pas possible parce qu'il y a plus de mobs. Je trouve plus de mobs. Non, mais en peaceful le truc. Non, je vois pas pourquoi ça serait en peaceful. Bah, non, mais la nuit, il y a plus de. La nuit, il y a plus rien, il y a plus de. La nuit, tous les chats sont gris aussi. Enfin, je veux dire, on peut pas forcément se permettre. J'ai peut-être trouvé une pierre assez rare. Trouve-moi du diamant, bien. Hein, mec. Hein, parce que t'es là, tu nous racontes ta vie au sujet des mobs. Ah, d'accord. Un petit peu de diams encore, s'il vous plaît. Ah, téléphone. Ouais, non, mais c'est un mec, un numéro qui m'appelle tout le temps. Et genre, dès que je décroche, ça fait « Bonjour, votre correspondant va... » Ah ouais, voilà, ça c'est pour que tu rappelles. C'est le classique, c'est le trap. On l'appelle le trap. Ah mais ouais, the big trap, quoi, parce que là, ça commence à me gonfler. Si t'appelles, t'es mort. Hein. C'est The Ring. Il y a une meuf qui sort d'un puits et qui t'encule comme jamais, donc attention quand même, hein. Fais gaffe à toi. Ok, c'est pas mal, j'ai pas mal de ressources encore.
Hop. Il y a du pétrole. Le pétrole, j'ai pas trop à quoi ça peut servir aussi. Enfin, bah, si t'as un âne, ça fait un shampoing. Ça fait pétrolane. Putain. Après, bon, t'en fais ce après, que tu veux. Après, ça parle de ma lourdeur. Mais bon, voilà, je suis vraiment là pour l'idée. C'est vrai que t'es lourd quand même. Attends, bouge pas. Le sortir. Il faut que je me fasse une pioche, c'est relou, putain. Faut que je me fasse une pioche en fer, vous voyez. On va essayer de se faire une pioche assez sympatoche. Ah là 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 là, sacré. Bon, on va y arriver, hein, les gars. Vous inquiétez pas. Je pense que, en vrai, dans combien de temps on peut avoir la machine en farmant en off hein. Alors là, c'est une très bonne question. Parce que là, on galère pour un query. Attends, là, query. En fait, je suis keblo. Mais je suis bloqué. Comment ça, t'es bloqué? Bah, sors de là. Non, en fait, je suis bloqué dans. Genre bloqué du type manipulé. Ouais, manipulé. Ah, c'est bon. Non, mais en fait, quand tu tombes dans le pétrole là, tu peux plus bouger, tu peux plus sauter et tout. C'est... J'ai peut-être trouvé une pierre assez rare. Elle m'a l'air rare cette pierre parce qu'on la trouve. C'est possible que ce soit une pierre extrêmement rare. Moi j'aimerais bien. Et t'as trouvé du diamant là, quelque chose, non? Non, là je suis en train de chercher. Nickel, ça fait plaisir en tout cas de jouer avec toi. J'ai un bug graphique. Faut trouver une grotte. En fait, j'essaye de m'aider de la minimap pour essayer de trouver une grotte dans les environs. Mais c'est pas évident. Ça ne se dévoile pas à moi immédiatement, n'est-ce pas? En effet, ça a l'air pas évident. Ah oh putain, bah j'ai échappé la mort. J'ai échappé la mort, mais la mort ne mourra pas aujourd'hui. Bah, j'ai trouvé la grotte. La mort vient d'ici. J'ai trouvé, mais c'était la grotte. Ok, nice. Ok. Parfait. On essaye. Ah, c'est mon téléphone. Je sais pas pourquoi j'ai toujours un numéro quand j'appelle. Il dit ouais. T'as bien raison. Hein, Attends. Hop. Moi, je vais refaire une petite pioche familiale avec la suite. Là. On ramasse toutes les ressources parce que Gigi osait de ramasser toutes les ressources. Unbreaking. Attends, je vais voir. Parce et c'est pas mal ça. Yes, on a encore de la petite. On a encore de la ressource. Mec, prend vraiment de tout, hein. Qu'on soit pas en galère, limite qu'on ait plus à redescendre dans ces grottes de l'enfer. Dans ces grottes du shaitan, si tu vois ce que je veux dire. Ok, on va mettre ça. Je me demande si. Non, mais non, ils sont pas enchantés ceux-là, bonne de pute. Je me demande si. Mon truc, mon under bucket. Peut. Servir de bouche lave. Mais j'ai fait une pioche, efficiency 4, fortune 2, unbreaking. Ah, mais fortune ça multiplie ton gain, non? Bah ouais, normalement. Ok, bah là, mec, dès qu'il y a du diamant, faut que tu le prennes. Hein. Ouais. J'essaie d'en trouver déjà, ça serait pas mal. Mais attends, t'es où? T'es à surface là? Non, pas du tout. T'es monté tout en haut. Ok, parce que j'ai potentiellement trouvé encore une grotte assez profonde. J'ai pas envie de la péter cette putain de pioche là, parce qu'elle est hyper rapide, genre c'est le fire. Sérieux? Et tu l'as fait en quelle matière grâce aux. Bah les gemmes. Aux produits là? Ok. Ouais, bah vu qu'on en récolte. N'oubliez pas d'ailleurs, hein, lâcher un gemme aussi. pour participer bien évidemment à des pioches beaucoup plus puissantes. Exactement. Ce serait le début du bonheur. Bah bien évidemment. Bon, par contre, c'est vrai que le diamant, moi je le trouve pas. Hein. Y'a que toi, tu sais que j'en ai pas trouvé une seule fois. Oui, je sais. Y'a que toi je qui sais, fais c'est... Fort, toi. Oh, c'est ma fierté, c'est vrai que c'est ma fierté. Ok, attends, eh, parce que là, le gravier, en plus, quand ça rollback, c'est tellement insupportable. Ouais, c'est insane, toi, c'est vraiment chiant. Regardez, Biskin. Oh là là, putain. Oh, c'est lourd. Gros, y'a combien de kilomètres de gravier là? Sérieux? Ok. Non, mais les gars, et soyez cool. C'est bon. J'essaie de récupérer tous les matériaux possibles et inimaginables. Hein, mais... Je rejoins potentiellement une grotte immense. Potentiellement, final, regarde. Le lapis ne sert à rien, on est bien d'accord. Ah, enchanté. Mais il sert pour des. Non. Dans la table d'enchant, on peut pas mettre de lapis, gros. D'accord, bah peut-être c'est ce que je t'avais dit. C'est une version différente. Mais en fait, si, il sert pour des constructions, par exemple pour le. Je sais plus quoi là, il sert. Ouais, je vois, ouais. Mec, par contre, j'ai des bugs graphiques assez relous. Ouais, il nous faut du diam, ça, gros. Il nous en faut combien au fait pour faire le quaris? Le quaris de diamant? Ouais. Je t'ai dit, il nous en faut 8 plus une pioche en diamant. Et ben j'ai tout ça, gros. Mais mec, qu'est-ce que tu fous depuis tout à l'heure? Je suis dans un bug du jeu, putain, c'est chiant. Tu veux que j'aime t'aider? Non, mais en fait, c'est hyper relou là. Genre, je suis dans un bug du jeu en gros. T'es manipulé? Non, mais tu sais, j'avance et en fait, genre, je peux plus. Enfin, j'éclaire avec une pioche et ça éclaire un bloc juste. Et je sais pas, c'est un bug. Et là, je suis arrivé, je minais. Et c'est parti en coup. Oh, ça a l'air rare. De l'électrotine aurait. Ouais, j'en ai aussi, ouais. Ça a l'air rare, ça, non? Ouais, je sais pas. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais je prends tout, moi. Tu vois, genre, tout ce qu'il y a, c'est récupéré instantanément, quoi. Oh putain, mais sérieux, j'en ai marre. J'échappe la mort beaucoup trop souvent. Donc, ouais.
Ok. Bon, mais mec, j'ai de quoi faire le Quaris, hein. Bah écoute, tu veux qu'on remonte? Bah, c'est à toi de voir. J'ai... Vas-y. Attends, j'ai potentiellement encore du diams. Ramasse un max de ressources. Et le Quaris va nous permettre de faire quoi, alors, au final? Bah, le Quaris, c'est un truc qui permet de miner, déjà, autour en 6... En, je sais plus comment... Ils m'ont donné les dimensions des blocs, là, parce que j'ai un... Ouais. Et en gros, ça te permet de miner autour de toi. On n'aura plus besoin de miner. Pardon. C'est un petit truc, genre c'est pas le digital miner, mais c'est un truc qui permet. Et grâce au Quaris, c'est comme ça qu'on peut avoir le digital miner, justement, c'est ça? J'espère. J'ai retrouvé une grotte. Ça reste une question à laquelle. J'ai une grotte en moins 11, gros. Peut-être intéressant que je la prenne, non? Bah, va voir, hein. Écoute ton cœur. Ah, c'est du Naquada, putain. Ok, bah on va prendre tout ça. D'accord, donc épisode prochain résumé, on fait le Quaris. Alors, le Quaris, c'est quoi? C'est un outil ou pas? Bah, apparemment, c'est un truc, tout le monde me dit. Que ça sert à miner par bloc, enfin pas par bloc, comment ils m'ont dit? En 64 par 64, je sais pas quoi, là, machin, enfin ils m'ont donné les dimensions dans lesquelles ça minait automatiquement. Sérieux? Oui, et il faut l'alimenter. Et tu le poses comme ça et ça mine ou? Il y a comme la fonderie. Je sais pas, mec, que j'ai jamais vu faire, moi je connais pas le jeu, je te dis. D'accord, bah écoute, on va essayer ça prochain épisode, ça me paraît pas mal. Exactement. On va découvrir, je vous fais ça prochain épisode. Oh, diamant, encore. Moi j'ai pas de diamant. Oh, encore beaucoup de diamants. Alors, oh, bah écoute, je vais essayer d'en trouver encore 2, 3. Je suis en combien? Je suis en 11, ouais. Ah, il y a ça là, ça on va en prendre. D'accord, pas mal de diamants, ça c'est plutôt cool. Bah, il en faut pas deux, Quaris. Non, c'est un truc que je pose une fois. Je sais pas, déjà on va faire un test avec un, mais. Ok. Bon, bah on fait ça prochain épisode. Bah, je pense qu'il est peut-être temps de s'arrêter là. Je sais pas. Ouais, je pense aussi. Mesdames et messieurs, on a passé beaucoup de temps à discutailler, on va dire. Ouais, mais au moins on aura rien caché. On vous a montré un petit peu ce qu'on a chopé. C'est plutôt cool. Je vais essayer de finir cette petite grotte avant de remonter. Puis on se retrouve. Ouais, et puis on se retrouvera au prochain épisode pour tout le monde. Hein, ouais, on se retrouve au prochain épisode. On vous fait des bisous. N'oubliez pas le petit like. Si vous avez kiffé les vidéos. Aussi bien chez Gigi comme chez moi, ça fait plaisir. Exactement, ça fait N'oubliez pas le petit commentaire si vous avez d'autres choses à nous apprendre. Ouais. On est en pleine phase d'apprentissage. En tout cas, on vous remercie d'être patient avec nous et de nous guider au jour le jour. Parce que sans vous, la lumière. Mon cœur, Seigneur. Voilà. Exactement. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.